Ça va bien ou quoi? Moi ça va très bien et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo du Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jujitsu ensemble pour comprendre ce qui se passe ensemble. Hein? Avant de commencer, déjà là, ça m'énerve les gars, Prozis. Vous achetez rien sur Prozis? Vous utilisez pas le code METAJJB10 sur Prozis? Vous avez pas envie de devenir fort? C'est ça. Enfin bon, bref, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont envie de devenir fort, STOCK! Vous pouvez utiliser le code METAJJB10 sur Prozis. 10% de réduction, retrouvez dans la description. 3 packs que j'ai fait. 3. Un basique, un intermédiaire, un avancé en fonction de vos entraînements et de la récupération dont vous avez besoin. Vous vous donnez à fond à l'entraînement, il faut que vous récupérez à fond pour pouvoir refaire une deuxième session. Ça va de soi. Prenez le pack basique si jamais vous avez peur, vous n'avez pas envie d'investir énormément d'argent. Créatine, protéines, hein, la base. Plus un peu de collagène pour les articulations. Hein. METAJJB10, vous recevez des cadeaux en plus, 10% de réduction. Voilà. Sur ce, on continue cette histoire de Matside. Les gars, aujourd'hui, Kron Gracy contre Leandro Lo. Hein. Rien que ça va découper là. Kron Gracy, je vous rappelle, descendant direct de la famille Gracie, fondatrice du Jiu-Jitsu brésilien Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro. Si j'écarte mes bras comme ça, vous remettez pas? Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous avais dit, vous avez devenu un stock ou pas? Bon, c'est pas le but de l'action, hein, mais cette transition, c'est pourquoi. She said, I love you, I said, oh. Du coup, de l'autre côté, on retrouve Leandro Lo. Hein, le champion du peuple. Je lance le combat. C'était un combat qui s'était passé au championnat du monde 2011. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'avait demandé de faire ce combat-là, de parler de ce combat-là. Du coup, c'est ce que je fais. C'est parti. Donc, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Leandro Lo avec la ceinture jaune et verte. Et en face, crâne rasé, Kron Gracy. Donc là, les deux se testent un peu. Combat est debout. Saisi au col, au lapel et tirage de garde pour Leandro Lo. Leandro Lo qui se retrouve dessous, Kron Gracy dessus, à genoux pour un passage en pression sûrement. Et Leandro Lo qui joue garde ouverte. À cette époque-là, Leandro Lo était assez léger quand même. Hein. Il était jeune, il devait faire 76, 80 kilos, il devait combattre en middle ou en light. Et garde très redoutable. Ici, il arrive à avoir un contrôle des deux manches. Un pied, j'allais dire un pied au biceps, mais pas vraiment. C'est pas un lasso non plus, c'est un pied qui se balade partout pour gérer la distance. Et en face, on a un Kron Gracy très stable. Et au crâne rasé, style avatar, hein, style samouraï. Bon, il se teste. Moi, j'ai pas le placard, j'ai pas le tableau des scores et du temps. Du coup, ça va être un peu freestyle. Ici, on a Kron Gracy qui essaye de secouer un peu Leandro Lo. Leandro Lo, toujours avec le contrôle des deux manches. Très difficile à passer cette garde quand on a un gardero qui tient les deux manches. Puisque le passeur n'arrive pas à neutraliser les jambes du gardien avec ses propres mains. Il doit utiliser beaucoup le mouvement de son corps. Ici, on a Kron Gracy qui a, j'ai l'impression, tentative de double under, non, il se remet debout, Leandro Lo lâche une manche, essaie de faire une de la riva, Kron Gracy essaie de coller, mais il arrive à recomposer la distance, recomposer sa garde, pardon, j'ai bégayé, il fait une saisie au pantalon, j'ai l'impression que cette saisie était illégale, mais l'arbitre a rien dit. Ici, on a d'un côté un lasso, et de l'autre côté, un pied au biceps. Garde très très freestyle ici du côté de Leandro Lo. Mais à partir du moment où il a le contrôle des deux manches, ça devient difficile pour celui qui est dessus de passer sa garde. Il doit utiliser la pression, il doit utiliser le mouvement de son corps plus que utiliser ses mains pour faire des grips directs. Ici, il arrive à avoir le contrôle de la ceinture, Kron Gracy, Leandro Lo qui garde toujours la distance.
Et ici, on a une single X de la part de Leandro Lo avec un contrôle à la manche opposé qui arrive à renverser Kron Gracie. Il met tout de suite la pression au-dessus. Ici, on a Leandro Lo qui a un contrôle sur les deux pantalons. Première Toreada. Premier avantage de la part de Leandro Lo. 2 points d'avantage. Monsieur l'arbitre, tu donnes ? Tu donnes l'avantage, hein ? Il a collé, là. Chef. Monsieur l'arbitre. Non. Je vois le score là. Là ils disent, il y a 2 points pour Leandro Lo pour le renversement. Ça je suis d'accord. Il manque un point de... On l'a tous vu. Quand il a fait comme ça avec les jambes, il est tombé pec contre pec là. Il s'est fait voler. Incroyable. Bon, ici on a un Kron Gracie qui se remet debout, peut-être pas. Non, garde assise. Leandro Lo au-dessus. Leandro Lo est dangereux hein, quand il est au-dessus. Contrôle des deux pantalons. Là, il essaie de faire des Toreada. Attention, attention, il laisse un bras. Kron Gracie essaie de capitaliser. Mais Leandro Lo défend. Il y a des bouts de tape qui volent partout. Leandro Lo qui essaie de passer debout autour des jambes. Ça, c'est le ciel, Leandro Lo. Hein. Mettre énormément de pression sur la garde de l'adversaire. Pas forcément en utilisant son poids, mais en utilisant la fréquence de passage. Ici, il a un contrôle au col qui casse sa posture, mais il essaie quand même de faire des Toreada. Et il arrive à passer les jambes de Kron Gracie. Ça, normalement, c'est un truc qui marche pas dans la vraie vie. Mais ici, Leandro Lo est juste trop fort. Il arrive à prendre le dos de Kron Gracie. 2 crochets à l'intérieur. L'acid belt. 4 points pour Monsieur Leandro Lo. On est à 6-0, un avantage. Ici, il arrive à prendre la montée presse. Non. Un avantage de montée. Oui, monsieur l'arbitre, je suis d'accord. Ici, on a un Kron Gracie qui essaie de gérer la distance. Qui arrive à gérer la distance, arrive à gérer les dommages. Ça sonne moins bien en français qu'en anglais. Ici, un contrôle au col. Une main en active posting pour les deux. Leandro Lo qui fait un contrôle au pantalon. Contrôle aux deux pantalons maintenant. Leandro Lo dangereux quand il a les deux pantalons. Ici, Kron Gracie contrôle le col et la manche. Une colle manche avec un pied sur le biceps d'un côté, il met un lasso de l'autre côté. Leandro Lo contrôle un pantalon. La deuxième main ne fait rien. Un genou au sol. Un genou au sol pour la part du côté de Leandro Lo. Leandro Lo dangereux debout. Leandro Lo dangereux quand il croise le genou. Mais cette saisie au col casse la posture de Leandro Lo. Il est un peu moins mobile. Le problème, c'est que Kron Gracie n'utilise pas sa main libre pour faire une saisie complémentaire, on va dire. Il fait une saisie derrière le triceps. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche Leandro Lo de bouger. Ici, encore une fois, trop bas de la part de Leandro Lo qui arrive presque sur la latérale de Kron Gracie. Encore une fois, il affole Kron Gracie. Cette saisie au col qui est lourde. Casse la posture de Leandro Lo encore une fois. C'est ça qui difficulte le passage là. S'il se libère de cette saisie. Attention ici, Leandro Lo qui bouge. Qui laisse un bras à l'intérieur. Leandro Lo, attention. Ici, Kron Gracie qui repart dans une garde, un jeu plus fermé. Qui essaye de faire une prise de dos. Leandro Lo qui cède le renversement mais qui donne la montée. 6 points d'un coup pour Kron Gracie. 6 points pour Kron Gracie. Incroyable ce qui vient de se passer là. Un style un peu similaire à Mika Galvao, ou un jeu collé, un jeu fort. Mika Galvao qui fait encore plus serré. Mais il a réussi à mettre 6 points à Leandro Lo. C'était incroyable. C'est pas du tout le style de jiu-jitsu que je fais moi. Mais je trouve ça très très beau. Ici on a un Kron Gracie au-dessus. Leandro Lo qui pousse avec ses bras, qui tend les coudes. On dit qu'il ne faut pas tendre les coudes. Leandro Lo qui arrive à déséquilibrer un peu Kron Gracie. Kron Gracie qui essaie de prendre le dos. 4 pattes pour Leandro Lo. Avec un Kron Gracie dans son dos avec une seatbelt. Un crochet. Il n'a pas encore mis le deuxième crochet. Il tombe un peu en avant, un peu déséquilibré le Kron Gracie. Leandro Lo tient sa manche. Tient sa manche droite. Kron Gracie toujours déséquilibré vers l'avant. Il devrait mettre son poing vers l'arrière. Poing vers l'arrière. Leandro Lo qui arrive à passer sa tête de l'autre côté de la seatbelt. Un crochet pour Kron Gracie qui arrive à travailler la seatbelt encore une fois ici. Leandro Lo qui arrive à défaire cette seatbelt. Contrôler le bras. Triangle de corps mais fermé à l'extérieur pour Kron Gracie. Leandro Lo qui essaie de faire pression un peu sur le pied de Kron. On a un Leandro Lo aussi qui tient la manche de Kron Gracie, la main qui est la plus dangereuse dans cette seatbelt, la main qui étrangle.
pour rester un peu plus en sécurité. Ici, il a un gros contrôle croingressi. Il a défait ça, son triangle de corps pour remettre ses deux crochets. Ici, il gagne 4 points. Peut-être qu'il va refermer plus tard. On a 13 points pour Krungressi. Il reste 2 minutes de combat. Leandrolo qui a une main qui est dans son cou. Leandrolo qui a une main dangereuse qui est dans son cou puisqu'il est en train de se faire étrangler. Leandrolo. Leandrolo qui tape. Oh là 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 là.